we're united. Kill the battery, but we can take the heat. Kill the battery, but we're the best and we don't hide it. Eh bien, rebonjour à tous, épisode 2 de ce KTP, on cherche des grottes qui ne sont pas des cul-de-sac. Que tu cherches? Moi ça va, je suis bien en haut. Oui, bah il faut bien qu'il y en ait qui cherchent. Hein. Mais je cherche! Et qui fait tout le boulot là? Non, c'est pas vrai. Dans une dans une plaine sinon, c'est bien ça. Bon, il y a des chevaux, il faudrait une selle. Ça... Ah tiens, ici c'est quoi? Ça descend bien profond. Eh bah tu vois, je te l'avais dit. Ouais, il fallait que je cherche. La grotte, là. Et hop, comme par hasard. Bon après, est-ce que c'est réellement un cul-de-sac au fond? Je ne sais pas, mais ça descend pas mal. Ouais, ça descend plutôt bien d'ailleurs. Parce que moi si j'y vais, ce sera un cul-de-sac, tu sais, donc... Faut que j'y aille. Alors je descends... Bon alors, c'est un cul-de-sac. Voilà. Et peut-être qu'on creuse sinon? Non, on va pas creuser, c'est la dèche. Faut jamais faire ça. Quand on arrive à creuser, c'est que c'est fini. C'est le désespoir assuré. Ouais, ton KTP il est fini quand on arrive à creuser. Tu peux abandonner quoi. Peut-être me faire cuire une petite côtelette parce que j'ai plus que 3 gigots. Après tu me diras... Voilà hein. Oui, après on peut toujours creuser, on a des champis à côté. De toute façon on est entouré de Dark Oak donc... Et toi t'aimes bien les champis j'ai l'impression. Oui. Et qu'il y a des champis tu te mets à creuser. Ouais, c'est ça. Des champis qui veut dire peut-être du diamant, je sais pas. Quoi? C'est nouveau ça? Non, c'est une blague, mais... Reviens, on va dans ton trou et on creuse aussi. Si tu veux. Je vois vraiment rien. Hein. Du coup, je forme le poulet. Hein. C'est pas inutile non plus ce que je fais. Mais... Non, bah comme ça, il y aura des plumes. Ouais, si on trouve un mineshaft. Oh, on pourrait, peut-être. Bon, bah t'es dans le trou du coup, toi? Non, je suis encore à la surface. Je fais un peu de côtelette. Ok, on se retrouve à côté du trou. Bah du coup je descends dans le trou. Bah moi je vais miner depuis le trou, hein, ce sera plus vite non? Plus oui. Rapide. Ah oui, tu descends dedans, ouais. J'avais mal entendu la phrase. Je suis là, je vais faire chauffer mon fer, histoire de prendre un petit saut, ça me servira. Entre Mr. Dawid, Bix, Edo et Roi, c'est les seuls qui sont au fond. Hein. Ouais, y'en a qui ont perdu. Mais non, flamme et machin truc, là on dirait qu'ils ont plus leur double cœur. Hein. Ah ouais. Mais nous on est bien, tu vois, on s'est baladé à la surface, on va gagner. On va gagner grâce à ça, tu vois. Bah tant mieux. Les profs qui sont un petit peu dans la dèche. C'est de la technique à faire en fait. Vous restez à la surface, vous attendez que tout le monde s'entretue. Vous arrivez à la fin, le mec qui reste en vie, vous lui faites une petite flèche à distance là, avec les cœurs partagés. Et puis c'est bon. C'est fini. Voilà, vous gagnez. Comment gagner? Bah ça descend encore après le charbon, bah c'est bon. Et bah voilà, ou alors je te l'avais dit. T'es sûr que tu me l'avais dit? Oula. Ok, je vais me faire une pioche en fer avec ça et ensuite je descends. Peut-être vous faire un peu de torches les gens parce que... Ah ouais, t'es comme ça toi, tu fais des torches. Bah qu'ils voient un petit peu, je sais pas qu'il fait nuit mais... Un peu. Tac, tac, tac. Et toc! Ouh! J'ai fait une pioche, achievement! Yeah! Bon, il y a un squelette, je te laisse te le gérer. Pas obligé de le faire sinon. Bon, les claps de crabe, je les laisse derrière, les amis, j'ai tellement de bois que. Voilà quoi. Alors, oui, ça descend super bien. Une mine sur ce dos, il ne sort pas prendre de dégâts en descendant. Enlever les torches, mais. Arrive! Non, ça c'était pas une bonne idée. J'avais un squelette juste à côté. Je contourne. C'est bon. Il est mort. On va vite se faire du stuff en fer du coup. Ouais, je peux bien. Vas-y, tu le ramasses derrière moi? Oui. Hop. On va peut-être boucher ici pour l'instant. Voilà. Je repose mes fours. Priorité du coup, le petit stuff en fer. J'entends des squelettes en fait, c'est pour ça que je stresse un peu. Normalement j'ai bouché, il devrait pas venir me déranger.
Voilà. Hop, et un autre four pour la boubouffe. Je propose qu'il y en ait un qui se fasse un... Un gros non, stuff. Non. Non, on va partager. C'est équitable, là. Et je crois qu'il y a assez pour tout le monde. Il y avait pas mal de fer ici. On l'avait pas pris. On se fait un plastron des bottes tous les deux, déjà. Ouais. Je pense qu'on sera bien. On sera tranquillou. Toc, ça je m'en fous. C'est un énorme filon de fer, là, que j'ai trouvé. Il y en avait 14 dedans. Ah, good. Ok. Ok. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Commence à cuire tranquillement. Tiens, je te lâche. Je te ça et ça. Cochon, j'ai pas. Ça, j'ai. Ok. Bon, je vais aller explorer un petit peu là-bas. Là-bas, y a rien. Ou alors, peut-être qu'en creusant dessus, j'entends des zombies. Donc, peut-être, après tout. Peut-être en bas. Faut peut-être que j'augmente le son des fois. Ah, mais il restait du fer, j'avais pas vu. Il est à 4% le son global. Ouais, il faudrait mieux que tu entendes les dangers arriver. Moi j'entends un squelette et là-bas j'entends un zombie, donc... Le son ça joue beaucoup dans les jeux. En ce moment je joue beaucoup à Overwatch notamment. Attention parce que j'entendais vers là-bas le squelette. Ouais, je Beaucoup confirme. à Overwatch et c'est très très important le son dans le jeu. Ah bah oui. Oui. Ça descend bien et il y a 3-4 squelettes. Eh bah écoute. Ah Je me termine mon armure en fer là. Et j'arrive. Toc. bon, je me mets sur le côté parce que au cas où qui s'apprêtait à tirer une flèche. Elle zombie! Coucou Creeper! Laisse le reste du coup pour l'instant. J'ai lancé de la bouffe par terre par contre, je vais la ramasser. Est-ce que j'ai lancé de la bouffe par terre? Non. Non, non. Je me fais des idées. Et le bloc, les blocs, voilà. Le petit pseudo qu'on va mettre à côté, on sait jamais. Non, t'as pas d'armure mec, reviens. Retourne à la base toi. Continue, je prends la relève. Oui monsieur. Je retourne à la maison. Plein de zombies, tu te rends pas compte en plus. Heureusement que t'es parti, hein. J'aurais pu les gérer. Attends mec, j'ai affronté 6 zombies et un squelette. Bon, t'aurais pu les gérer bien sûr, mais... Il y avait du monde, c'était ce que je voulais dire par là. Du moment que c'était pas un mini zombie qu'il y a eu, ça va. Alors j'ai vu un creeper, je vais m'en débarrasser dans le doute. Essaye d'avoir un CD. Ouais, peut-être pas du coup. Oh! Il a explosé, j'ai pris des dégâts, mais en fait j'ai pas pris de dégâts. Ouais. En plus, ça te le marque un demi-cœur de dégâts. En J'ai gros. encore les squelettes, c'est très perturbant. Ouais, mais est-ce que c'est sur le côté ou en dessous? Pense que c'est au-dessus ou en dessous, ouais. Un des deux. Ok. Voilà, j'ai refait le stock. Attends, j'ai miné du fer et... Ah non, j'ai miné du charbon, je suis bête, là. Alors, je confirme. Un zombie en feu, on va peut-être pas trop s'approcher, non? Effectivement. Je pense que dans cet épisode on va trouver tous nos diamants, tu vas voir. Je le sens bien. Oh, j'entends une araignée même. Ah, ça C'est c'est pas bien. bon signe ça. Ça c'est bien. Il est là le squelette, je le vois. Il Hop. faut aller boucher l'eau où il est. Alors, on va se faire. Non, je stresse, je stresse! Ah, j'ai stressé. Mais c'est bon, ça va. J'ai perdu mes moyens, j'ai commencé à taper avec ma pioche. Ah, je suis pas habitué, ça fait longtemps que j'ai pas fait de KTP. Qu'est-ce que ça va être quand je vais tomber sur un joueur? Ah bah, Oui, purée. on va relativiser, hein. Puis après on attaque. Attends, mais il y a du monde dans ces grottes, hein. On est à la couche combien là? 26? On peut trouver de l'or, non? Couche 26. Tu veux que je descende les fours? Elle est là, l'araignée. Elle a looté du fil! Bien. Elle a looté deux! C'est pas trop mal! Un début de la richesse.
peux descendre les fours, fais comme tu le sens, je pense qu'on va se séparer dans les grottes pour optimiser. Ouais. Mon côté, je pense que j'arrête. À mon avis, dans le trou où je vais te Ah, retrouver, donc. mineshaft. Ah, bah voilà, début de la richesse. Et tu sais qu'il y a la couche du diam, ce mineshaft? Oh, c'est cool ça. Est-ce que tu m'aimes bien? Oui. Bon, moi, c'est un cul-de-sac. Bah, peut-être que de toute façon si tu suis météor, je te devrais pouvoir trouver. Oui. Non, mais c'est cool, ça, c'est vraiment cool. De toute façon, on peut se faire quoi, le plastron? Le plastron et les jambières. Enfin, il est pas vraiment à la couche du diams, mais je pense que si on descend un tout petit peu, il est à la couche du diams. Mais au moins, il est à la couche de l'or, tu vois. La pisse aussi. Toi. Genre beaucoup beaucoup d'eau ici, je sais pas ce qui se passe. L'hécatombe. Regarde vaguement ce qu'il y a dans la source d'eau, mais il n'y a rien de particulier. Là aussi ça coule. Et... Du fait faire. Du fer, moi j'en ai plein plein, mais je le ramasse plus trop, je vais en reprendre encore un peu quand même. Bah, sachant qu'on peut pas faire d'épée en diams, Il en faudra pour faire des P2, P3 et tout ça, ouais. voilà. Ouais, c'est vrai. On va en ramasser un peu plus. Pas bête. Ok. C'est pas par là. Ah. Bon, je prends les ficelles hein, du mineshaft, on va pas s'en priver non plus. Ouais, non, il faut pas s'en priver. Essaie de peut-être de me rejoindre à ce niveau-là parce que les grottes sont pas mal aussi. Ouais, Autant en fait, descendre un peu vite. je sécurise un peu parce que sachant que t'es passé dans des coins où c'est pas éclairé, il y a les amis, les squelettes qui y sont. Ah mince. Ouais, je les entends, ouais. Mais ça va, pour l'instant, on a pris qu'un demi-cœur de dégâts. Il y a des teams, ils sont beaucoup moins bien que nous. Oui. Ah, les teams, ils sont full life encore, ils ont bien géré. Ça va pas Alors, durer. la pisse, en général, je prends pas tout, mais là, je vais tout prendre parce que la dernière fois, je me suis rendu compte que j'en prenais pas assez et que je me suis retrouvé à court de la pisse. Ouais, C'est assez frustrant. après surtout pour aller le rechercher. Oui, voilà, c'est le genre de truc. Pas envie d'y retourner. Malheureusement, je t'ai perdu. Bah, en fait, je me suis perdu moi aussi, tu vois, mais je suis toujours dans le mineshaft. Donc, bon. Pas tant perdu que ça, j'ai l'impression. Tu sais que je peux faire un nombre de flèches incroyable avec tout ce que j'ai. Ah ça c'est bien. Est-ce que t'es passé à côté d'une source de lave? Oui, il y a des sources de lave dans le coin. Tu veux mes coordonnées exactes? Ouais. Je te dis ça, c'est 848 et moins 269. Pour la hauteur, bah, c'est 15 quoi. Enfin, c'est. Comme d'hab. 848 et moins 260, donc. 9. Ah effectivement t'es passé dans le coin que j'avais rebouché en fait. Parce que disons qu'il y avait beaucoup de mobs. Par là, même si j'entends. Alors, à la fois il y a de la lave, à la fois j'entends des squelettes, mais. Pense qu'il faut aller voir quand même. Ah, il y a un petit coffre. Prenons pas de risque. Non, Jamais. non, non. La lave, c'est le genre de truc, ça pourrait nous faire mal si on s'y attend pas. Ah, j'entends plein de zombies, squelettes partout, je me retourne de tous les côtés. Ah d'accord, il a déjà les librairies, très bien. J'entends un squelette, j'essaie de voir où est-ce qu'il est. Il est là. Histoire Pierre? qui. Ah, Oh. pardon. Il me tombe pas dessus. Pierre, c'est pas un bon choix de faire des librairies. Bon, ça, c'est pas un bon choix de faire la librairie. Il fait des librairies pour nous défoncer encore plus facilement. Pierre. Et Pierre! Ouais. Oh! Cheat! Bah... Pumpkin seed! Non, c'est de la merde. C'est les melon seeds qu'il nous faut. Oui. Faux espoir! Les amis, faux espoir. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des melon seeds là-dedans. Oh C'est vrai. là! Mais ça serait bien. La salle que j'ai trouvée, faut pas aller là. Hein. Il y a une salle, il y a quoi? Il y a 4 zombies dedans et 4 creepers aussi, je crois. Alors, surtout, il faut pas croiser ces petites araignées bleues. Tu les as vues toi?
Non. Oh, du diamant. Ah, moi toujours pas, mais bien joué. Je suis un peu trop haut en même temps, mais je cherche plutôt les coffres. En fait, t'es passé à côté, limite. Bah écoute, non. Sont des choses qui n'arrivent jamais. Non, t'es sérieux, il y en a que 3. Pas mal. Ouais. J'aurais voulu plus. Bon bah du coup, j'en ai 3, je me fais quoi, ma pioche? Allez, je croise de l'or que maintenant. Tu te rends compte? Bon, Depuis des... tout à l'heure, je suis en train de... Je suis dans un mineshaft. Je me fais ma pioche en diams Vas-y. ou... Excuse-moi, j'ai pas répondu. Vas-y, Ouais. vas-y, fais-la. Hop. J'en ai que 3 tout pile. Il me faudrait un seau d'eau. J'ai un seau mais Oh, pas d'eau. j'ai fait dès le début, ouais. Ah, encore un petit peu d'or. Et des émeraudes! On sait jamais, hein, je prends. Ça c'est bien. Le mec, il nous vend du... Si on trouve un village qui nous vend du Power 4 ou je sais pas quoi. Ouais, bonjour, je suis un petit PNJ, je vous vends du Power 4 contre une émeraude. Oh, merci! Merci bien. Un plaisir de faire affaire avec vous! Tu m'étonnes. Pareil, les ficelles, j'en prends pas assez à chaque fois. Je sais pas combien il faut que j'en prenne pour faire du Power 3, mais. Power 3, ça fait 3, 6, 12. Je crois qu'il t'en Plus. faut 12. Non, non, il en faut plus que 12, Je sais plus, je sais plus compter. Ta mère! qu'est-ce que tu fais? Compte pas! Arrête de compter! Disons que le zombie il a pas eu le knockback, donc du coup, ma mine droite. Ah. Bah toi t'es passé par ici. Oui, effectivement. Perdu deux cœurs, ça se rattrape avec une pomme en or, ça. Les petits fils qui vont bien. J'ai pas trouvé de. J'ai trouvé qu'un seul coffre, du coup, il n'y avait pas de graines de melon dedans. Ouais, je suis passé à côté. Ah, lapis. Toc. Pas ramasser ça, c'est ma poubelle. Outil de jeu. Paye ça. Ouais, je suis à côté. Il ressemble. Il y a la couche du diams. J'entends de l'eau. Faudrait peut-être que j'aille me chercher un petit seau. Ça a l'air pas mal ici là où je suis. Même si j'ai des becs de lumière dans tous les sens. Minecraft. Pas chercher. A l'air vraiment pas trop mal là. Loupio car enchanteur, très bien. Ah, on pourra bientôt le faire un enchanteur nous. Un Ah, j'ai autre. de l'or. Ça, c'est cool. Ah, j'ai pas mal d'or, ouais. J'ai de Bah, l'émeraude. j'en trouvais pas jusqu'à présent, et là tout d'un coup il y en a pas mal en fait. Lapis aussi, mais il y en a mais tellement. J'ai jamais vu autant de lapis de ma vie quoi. Même s'il y a de l'or encore là-haut. Limite, on va manquer de pommes, on aura trop de l'or. C'est un... Ouais. Bon après, les pommes, on pourra les farmer, c'est pas trop grave. Ah, t'as jamais trop d'or, hein, de toute façon, c'est Oui. une façon de parler. Diamonds, le mec en noir, Sfino. Faut décrypter le pseudo, hein. Pas facile à lire. Pas trop aller dans la faille du coup, la fâcheuse manie de partir dans les grottes à la place de la faille à chaque fois. Tu me diras, c'est pas si mal, C'est pas si mal. y a plein d'or dans les grottes. Si c'est pour une bonne cause. Et je vais prendre ce gravier avant d'oublier parce que je pourrais me faire une flèche comme ça. Donc le PVP va commencer là, enfin a commencé déjà. Ouais. Je vais vite prendre le gravier d'ailleurs du coup, ça me fait stresser ça. Diamonds aussi. C'est bien, j'ai pas les achievements. C'est cool. Les mecs en diamant, ils font pas grand chose contre mon gravier. Ah, tellement peu de charbon. Allons 28 or. récolter de l'obsidienne. Il est fou, il prend de l'obsidienne. Que quelqu'un l'arrête. Bah, il faut bien faire pour avoir de l'enchantement.
Mais oui, quoi! Bah ouais. Épisode 77 de KTP! Minage Nous d'Optinian. sommes aujourd'hui en 2042! Oui, j'aurais ça de voir en 2042, c'est pas très bon. Alors, ils ont la 4. photo des pommes, mais j'ai l'impression que le gravier, un gravier sur 3, c'est du flint. Et c'est la fin de l'épisode! Merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et ciao! C'est rapide.